4e édition, c'est déjà fini, mais vous voulez savoir comment c'était? Suivez avec moi. So just step on the dance floor and enjoy the beat. C'est Science! C'est Science! Comme je vais le dire, bienvenue encore à la 4e édition de Science Slam Cameroun. Vous savez, les règles sont simples. Il suffit de faire une présentation simple, attrayante et interactive d'un travail scientifique. Oh Cookie, oh Cookie, oh Cookie. Tu as des propriétés légion comme biofertilisant. Le monitoring a été inscrit dans les premières lois électorales de 1946 lorsque les indigènes ont acquis ce qu'on appelle le droit de vote. Vicus mucoso, it's a Cameroonian medicinal plant that is found mostly in the northwest. The stem bags are used to actually treat breast cancer. Ces trois éléments vont nous permettre de voir comment nous agissons aujourd'hui en se rapprochant de plus en plus de l'animal. Quand une fille est bien habillée, on dit que c'est quoi? C'est un chameau, c'est une panthère, c'est une lionne. Merci, je vous remercie. Il s'agit des baleines. Promouvoir la danse contemporaine dans le contexte camerounais, c'est promouvoir la culture camerounaise. Qu'un danseur ou une danseuse courageuse vienne faire la danse contemporaine, c'est là le bon voix. Un jeune leader qui a ce qu'on appelle de la vision, celui-là qui sait viser la lune, qui regarde au-delà des cieux et qui sait lire dans le temps et projeter dans le futur. Si quelqu'un a un problème de manque de sang, il rentre chez lui, il récupère les jeunes feuilles de manioc, il les pile, il presse le jus de sang, il mélange soit avec de la grenadine, soit alors avec le lait non sucré. Il boit un verre matin, un verre soir. Après une semaine, il retrouvera sa santé. Dites amen! 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 Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de poser des questions. J'ai retenu une chose, c'était par rapport à la jeune dame qui présentait sur le cancer. Elle nous a présenté le nom scientifique, déjà de la plante, mais les noms vernaculaires, nous ne les avons pas. Ça aurait aidé le public à se situer par rapport à cette plante. L'essentiel, c'est de s'agripper, que tu sois membre du ghetto, que tu sois un membre gâteau, à peine que tu réussis, on crie « Oh, oh, c'est monté !» À chaque fois que ça vient, je vais déjà prendre mon stylo, tu viens, tu me coupes le goût du cou, je ne sais plus où j'en suis et si ce que je vis est réel ou virtuel. 2, 3, cette parole, Fritzi. L'histoire commence en 2003, elle venait juste d'entrer en fac. La vie est belle et rose, c'est ce qu'elle croit, car elle vient juste d'avoir son bac. Elle a passé 7 ans à rêver de liberté et de bonheur, ignorant que pour se trouver dans cette vie, il faut d'abord se chercher de bonheur. Dans tous ses airs charismatiques, elle se prenait pour Sam des 4 fantastiques. Pour elle, la terre tournait autour d'elle. Elle était son ange, oubliant que les humains n'ont pas d'elle. Notre premier ce soir nous a parlé de caractérisation des cultivars de manioc. Lui, c'est le pasteur manioc. Il s'appelle Cédric Tagan. C'est le manioc. C'est la gagnante de la soirée. Et vous, applaudissez d'abord bien. Voilà. OK. Elle nous a parlé de danse contemporaine au Cameroun. Elle, c'est Annie Wanjack. J'étais là chaque soir, vanille, je la vis. Et pourtant, ce chemin,
J'en connais qui l'ont suivi. Merci. Un applaudissement pour le joueur de Mbet. Merci beaucoup. Ça fait 4 éditions déjà qu'on organise le Science Slam, mais je n'avais pas mesuré à quel point c'était difficile de faire de la recherche dans notre pays. Donc s'il vous plaît, je vous prie d'applaudir encore pour tous ceux qui prennent la peine de s'inscrire à cette compétition. Déjà l'événement très important puisque nous avons l'impression qu'au Cameroun toutes les recherches qu'on fait restent dans les tiroirs. Alors toi qui me regardes actuellement, reste connecté et surtout sois un jeune leader. Voilà. Ah, mais c'était formidable, on a passé un sacré moment et moi j'ai kiffé. Vraiment super, je suis content d'avoir eu deux prix. Merci au God, merci à Adeline. Et moi j'ai voté pour elle et c'est formidable. Voilà, moi j'adore la contemporaine et puis ça fait ça. Vous avez alors vu comment c'était, non? C'était la mort. En tous les cas, rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition. J'espère que vous serez nombreux et que vous allez rejoindre l'aventure Science Slam. Et voilà quoi. À bientôt. Music,